Bonjour à tous, je m'appelle Ashley Chakonalam, j'ai 29 ans et je suis ingénieure en intelligence artificielle chez Valeo. Je vais vous expliquer comment je suis arrivée ici. Et surtout pourquoi j'adore venir travailler chaque jour. Je suis vénézuélienne et j'ai décidé de m'installer définitivement à Paris il y a 8 ans. J'ai découvert Valeo juste après mes études en Computer Vision et Machine Learning. Pendant mon entretien, un entretien très challenging, je me suis immédiatement rendu compte des attentes techniques très fortes. Maîtriser les dernières méthodes et être force de proposition pour innover dans l'automobile. Je suis super fière d'avoir été choisie. Premier objectif atteint. Travailler pour rendre une voiture intelligente est un métier passionnant, stimulant et plein de défis. Il faut sans cesse apprendre et trouver de nouvelles idées. Ma première mission était du développement software à 100%. Je devais vérifier et valider les algorithmes des ingénieurs de l'équipe pour être sûr d'obtenir la solution la plus performante. Cette première mission m'a énormément appris et j'ai pu mieux connaître le fonctionnement de l'entreprise. Après cette première étape, j'ai commencé une nouvelle mission très passionnante au sein de l'équipe Perception Caméra. Pour la première fois, j'ai été intégrée à un sujet de recherche et développement. Je devais développer une technologie ADAS, Advanced Driver Assistance Systems. Cette technologie consistait à la détection des gouttes de pluie sur le pare-brise à l'aide d'une caméra. Pour par exemple lancer les essuie-glaces quand il commence à pleuvoir. Et surtout, d'adapter la vitesse de vos essuie-glaces en fonction de l'intensité de la pluie. Brillant, non ? Ensuite, mon projet a évolué sur la conduite autonome et en particulier pour le projet Valeo Cruise for You. Un système qui permet à la voiture d'évoluer en autonomie complète sur autoroute et dans les embouteillages du périphérique. Je m'occupais en particulier de la détection des véhicules par caméra pour que la voiture s'adapte à la circulation. La suite, je suis devenue technical leader dans mon domaine d'expertise. Dépêchez-vous d'aller voir l'épisode suivant. Je vous raconte tout sur mes projets actuels avec l'équipe Valeo Drive for You. Vous savez, la voiture autonome qui a circulé dans les rues de Paris. À bientôt!